Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo routine, soins et alimentation de ce que je fais avec mes chevaux en ce moment. Donc, je vais vous présenter 2-3 produits que j'utilise principalement, à quoi ils servent, etc. Et évidemment, comme prévu, je vous présente la routine alimentation de Romero qui, évidemment, va encore changer. Donc, je vous la représenterai de nouveau au moment où elle changera. Et sinon, pour aujourd'hui, c'est parti. Alors j'ai ce premier produit qui s'appelle le Scarix Crème que je vous ai montré rapidement la dernière fois dans ma vidéo où je vous présentais ma céleri. En fait c'est un produit que j'utilise et pour Arc-en-Ciel et pour Ronaldinho. C'est quelque chose qui s'applique en fait sur tout ce qui est affection cutanée à tendance virale. Donc par exemple Arc-en-Ciel lui il a une sorte de petite verrue sous le ventre, en fait c'est un sarcoïde. Quelque chose qui apparaît dû au stress en fait qu'il a depuis qu'il a 2 ans, donc quand il était dans les courses, le stress, tout ça, et c'est apparu sous son ventre. On avait réussi à le faire partir avec ce produit là, il en restait juste un tout petit rond, et en fait on pensait que ça allait partir, et au final il est revenu, donc on lui refait une deuxième cure. Et Ronaldinho, qui est un poney très nerveux et qui est aussi très allergique, a une plaque sur la joue qui est, je sais pas trop qu'est-ce que c'est, en fait le vétérinaire sait pas trop non plus. Ça ressemble un peu à de l'eczéma, mais ça revient souvent, etc. Et il nous a conseillé également de le traiter avec ce produit là qui selon lui est très bien. Donc j'en mets tous les jours à Arc-en-Ciel et à Ronaldinho, donc là on va faire ça. Si je me recule, c'est pour pas que tu t'avances. Parce que sinon, on te voit pas. On voit pas ton gros nez comme ça. Le deuxième produit que j'utilise, c'est celui-ci, c'est du VTBiol. En fait, c'est exactement la même chose que le VGBOM, mais on va dire conditionné pour les chevaux. Sachant que le VGBOM, qui est conditionné pour les humains, s'utilise aussi très bien pour les chevaux. Donc ça, je l'utilise en fait sur les piqûres d'insectes. C'est pour atténuer les démangeaisons, en fait même les faire disparaître. Ça marche un peu comme l'apaisil, etc. Mais ça marche, enfin, c'est dans le même style, mais ça marche beaucoup mieux en fait. Et quand les chevaux se font piquer par les thons, les mouches plates, ou les mouches tout court, les moustiques, etc., on en met une fois et le lendemain ils n'ont plus rien, donc ça c'est vraiment cool. Donc pour ça, je fais le tour tous les soirs pour voir qui s'est fait piquer, qui a quelque chose qui gratte, etc. Et j'en mets là où ça gratte en fait. Voilà. Le dernier produit que je vais utiliser, ça va être de l'eczémolin. Celui-ci, je l'avais commandé sur Kramer l'année dernière. Il me semble que je vous l'avais déjà présenté dans un haul ou même peut-être une autre vidéo. En tout cas, sur Instagram, je vous en ai déjà parlé. C'est un produit qui s'utilise en fait pour prévenir de la dermite estivale. C'est-à-dire que quand les mouches commencent à piquer, par exemple dans la crinière ou dans la queue du cheval, et qu'il y a des démangeaisons qui apparaissent dues à la sécrétion des insectes, on applique ce produit-là en fait pour apaiser les démangeaisons et prévenir de la dermite. Donc là, Ronaldinho, il avait eu quelques piqûres dans la crinière et il avait quelques poils qui avaient commencé à tomber. Donc là, je lui mets ça et depuis une semaine, les poils commencent à repousser. Donc là, je vais lui faire son application journalière et après voilà.
Après voilà, la meuf qui sait pas comment conclure. Donc là, on est en train de préparer la ration de Romero qui est actuellement dans son box là-bas, vous allez le voir après. Ce que j'ai fait avant d'aller le chercher, en fait, c'est que j'ai fait tremper de la pulpe de betterave déshydratée dans de l'eau chaude pour la réhydrater. Donc l'équivalent d'un verre d'eau de granulé de pulpe de betterave ensuite réhydratée. Ça donne environ un godet entier, donc un doseur entier. Donc celui-là, il fait, un litre et demi. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant pour continuer de préparer la ration, c'est que j'ajoute un godet comme ça d'huile. Donc là, il y a 40 millilitres là. Donc ça, c'est de l'huile ISO 4. Donc là, je vais mettre de l'huile ISO 4, donc je mets 40 millilitres. Et quand j'ai de l'huile de lin, je le remplace par de l'huile de lin. Là, c'est juste que j'en ai plus, donc je mets de l'huile ISO 4 à la place. Et quand je mets de l'huile de lin, je mets que 20 millilitres parce que c'est beaucoup plus riche. Je le mets directement dans la pulpe de betterave pour qu'elle puisse absorber l'huile correctement. Donc là, je vais rajouter 1,5 litre de floconné. Celui-ci, c'est de la marque Equifirst et c'est le condition mix. Donc en fait, c'est le loisir. Il est plus gras et il est moins... comment dire ? C'est-à-dire que le sport va être plus énergique. Donc les chevaux vont être moins gras et plus énergiques. Et le loisir, les chevaux vont être moins énergique et plus gras. Je sais pas si vous avez bien compris, mais en gros le loisir est plus gras que le sport, donc je donne du loisir. Alors pendant qu'il est en train de manger, je vais vous expliquer deux choses. Déjà, concernant l'alimentation, en ce moment, je lui donne son floconné habituel, donc celui que je vous ai dit, et je rajoute de la pulpe de betterave avec déshydraté, donc que je réhydrate avec de l'eau chaude, tout simplement parce que ça apporte en fait du gras à la ration et ça aide les chevaux qui sont un peu maigres à reprendre de l'état. Il n'est pas spécialement maigre, mais comme il est en croissance, son corps va puiser plus dans ses ressources et il va prendre de l'état moins vite. Donc là, en ce moment, je lui donne que ça. Après, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé un pot de curcuma que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Ça va être du coup le premier complément que je vais rajouter à la ration et qui va être bénéfique pour les articulations. Je vous en parlerai plus précisément quand je l'aurai reçu pour bien vous le présenter. Et du coup, ça va être très utile non seulement pour lui, pour sa construction comme il est en croissance, mais aussi ça va être utile pour soutenir son appareil musculo-squelettique étant donné que je vais bientôt monter dessus et le débourrer. Alors la chance que j'ai, c'est qu'il est quand même assez grand et massif et que moi je suis petite et pas très, je pèse pas très lourd, donc normalement je devrais pas l'abîmer. J'ai fait vraiment attention à tout depuis le début, depuis qu'il a 6 mois, à lui donner les bons compléments, etc. Pour que sa construction se fasse correctement. Donc je continue de faire attention. Le but, c'est pas non plus de vouloir absolument monter dessus et de le casser au final.
Ensuite, concernant la dentisterie, ceux qui me suivent sur Instagram avaient vu que j'attendais depuis un moment le dentiste. Donc là, comme on a été déconfiné le 11 mai, il a pu venir finalement le jour même. Il est venu donc lundi et il lui a fait donc la visite dentaire de pré-débourrage, donc en vérifiant s'il y avait des dents de loup, s'il y avait besoin de les enlever, etc. En effet, il y avait deux dents de loup, donc les deux dents haut, et il a retiré les deux. Donc ça a été fait. Au niveau de la cicatrisation, c'est une semaine minimum. Donc moi, je vais attendre un peu plus d'une semaine, histoire de pas lui mettre un mort dans la bouche si jamais il a encore des petites douleurs ou quoi. C'est quelque chose dans la bouche du cheval qui est pas très douloureux normalement et qui a vraiment 0% de chance de s'infecter. Donc il n'y a pas de traitement post-retirement des dents de loup. Mais il faut quand même pas mettre un mort dans la bouche directement. Donc là, on est à une semaine. Aujourd'hui, on est samedi. On sera à une semaine lundi dans deux jours. Je pense que je vais attendre encore un petit peu avant de lui mettre le mort dans la bouche. Après, il a eu sinon une visite classique, en plus d'avoir retiré ses dents de loup. Donc là, au niveau du dentiste, il est vraiment prêt pour être débourré. Il n'y a plus qu'à attendre la cicatrisation. Voilà. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, évidemment à la partager avec vos amis si elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, comme d'habitude je répondrai avec plaisir et à la prochaine.